Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 33 du Let's Play de Minecraft les Sauvages en compagnie du grand, du magnifique, de l'incroyable TVH. Que. C'est moi. Alors, comme dirait Farah, ouh, t'as quelque chose à me demander, toi. Effectivement, j'ai demandé quelque chose à TVH. Je l'ai missionné pour aller chercher les axolotes et les chefs qu'on n'arrivait pas à trouver. Et TVH, le grand TVH, a réussi à en trouver. Et ça, c'est top parce que je peux vous assurer que c'était le truc galère qui m'inquiétait. Hein. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas disparu, parce qu'il y a des fois, tu sais bien, on démarre comme ça. Ah oui, c'est bon, j'en ai vu. On arrive, il n'y a plus personne. Donc, j'espère que ça a marché. Donc, pour ça, alors, déjà, première chose, je pense que on n'avait pas forcément vu, parce qu'en fait, ils spawnent dans le noir. Donc, si en fait, on est dans le noir, forcément, on les voit pas. Et c'était de ça qu'on a fait comme erreur, parce qu'en plus, alors, je crois que pour les axolotes, il faut qu'ils soient en dessous de la couche 63. Qui est pas de lumière, ça, qui est zéro, hein, parce que s'il y a un, c'est mort. Donc il suffit qu'il y ait un lierre, un machin, et c'est fini. Et il faut qu'il y ait de la clé, ça, pas loin. Soit de l'eau, soit de la clé dans un rayon de 5 cases de soin. Donc, bon, c'est un truc comme ça. Donc du coup, sur moi, comme vous voyez, j'ai des seaux d'eau, j'ai 4 seaux vides, si on sait jamais qu'on trouve des poissons, des trucs comme ça, parce que vous savez bien qu'on fait un aquarium. En bas là vous allez voir les poissons. J'ai de la bouffe, j'ai vite fait voilà une armure que j'ai un peu refaite. J'ai un peu d'XP aussi, mais ça c'est pareil, j'étais en cours de fabrication d'XP, enfin de farm d'XP pour réparer mon armure. Donc là j'ai une armure pourrie sur moi, c'est normal, j'ai une armure en protection 1 en fait. Parce que j'ai pas envie d'abîmer la mienne, parce qu'on a des beaux projets avec la mienne, la vraie, celle qui est en protection 3 quasiment partout. Et donc du coup j'ai pris une armure de merde voilà, qui devrait suffire très largement pour ce qu'on a à faire, c'est-à-dire choper des axolotes et potentiellement des chefs si on a le temps, ce qui est pas garanti, mais voilà. Du coup. On a tout ce qu'il faut, j'ai un peu de viande, nickel, un peu de torche, on sait jamais, et puis une pioche quand même, hein, une pioche juste pour miner, une pioche en pierre, hein, comme ça on est sûr. Même l'épée, je devrais la changer, c'est quoi? Là j'ai une épée sharpness 3, c'est quoi? Peut-être qu'il faut que je prenne une épée normale en fait. Sharpness 3, j'aime bien la garder. Donc ce que je vais faire, pour vous les viewers, je vais prendre une épée à la con, là tiens, sharpness 1, voilà, parfait. Parfait. Et ma sharpness 3, je vais la ramener, je vais la mettre dans ma petite chambre. Car dans ma chambre, j'ai un petit peu customisé ma chambre, tout simplement, qui est ici. Voilà. Pourquoi? Parce que dedans, bah, y a deux coffres qui servent à rien, mais c'est une armoire. Ceci est une armoire. J'ai mis un petit feu, j'ai mis aussi mon armure, ma belle armure justement, et puis il y a mon lit qui est ici. Donc du coup, je vais pouvoir stocker peut-être là-dedans ma sharpness 3, qui est en bon état. Parce que je rappelle que plus on la répare, bah, plus après elle est irréparable, parce que l'XP, il en demande énormément. Voilà, donc du coup, on peut y aller, TVH. J'ai tout expliqué. Oui, je t'attends. Je suis prêt. T'es à l'extérieur déjà? Voilà. Donc je rappelle pour les axolotes, c'est plutôt simple. Puisqu'en fait, on a juste à les mettre dans les seaux. Des seaux d'eau, je précise, c'est des seaux d'eau. Alors que sinon, par exemple, pour les chèvres, on ne peut pas les mettre forcément dans des seaux. Ça, vous comprenez bien. Non, ce serait compliqué. Voilà, donc là, je vous mets. Voilà, ça, c'est TVH chez moi, on est tout mignon. Alors, je crois que tu m'as dit que c'était environ 1000 blocs en avant, c'est ça? Oui, en fait, vous traversez l'océan et on arrivera à la jungle, c'est dans les souterrains. Ah putain, mais j'ai même pas été voir là-bas moi. Alors moi je me suis baladé partout, mais j'ai pas été voir. Je me suis dit, bah non. Quand j'étais allé chercher du bois, je m'en souviens, il y avait un arbre d'azalée et on m'avait dit comme quoi, bah en dessous il y avait le biome en question et oui. Ah c'était sauf ça sauf qu'on avait dit azalée, sauf que c'est biome jungle. C'est quand t'es sous un biome jungle, il peut y avoir ce genre de grotte et. Ah, ça a rien à voir avec les azalées en fait. Bah. Je sais pas forcément ce qu'indiquent les azalées, mais c'est pas spécifiquement ça. Quoi. Moi, on m'avait dit qu'en dessous les azalées, il y avait des trucs, mais je sais plus ce que c'était. J'avoue que c'était dans les commentaires d'une des toutes premières vidéos qu'on a fait, quand on est passé devant des azalées, en fait, quand on s'est baladé au tout début. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont mis dans les commentaires, sauf que bah, j'avoue, je suis pas retourné voir depuis. Et je l'ai dit à chaque vidéo, je suis pas retourné voir tout court. En même temps, il y a tellement d'épisodes depuis que j'avoue que j'ai pas tilté. Et je m'en inquiète, tu vois, que maintenant. Et j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'aller fouiller maintenant. Hein. Là on est parti, on est lancé. On n'a pas le temps parce qu'il va faire nuit, tu vois qu'on va se taper les zombies, etc. Après, enfin, on va me dire on va en grotte. Donc. Non, je pense qu'on sera en grotte. Voilà. Oui, c'est bon. En grotte, on va s'en taper. Hein. Donc, protection 1 quasiment partout, les viewers, excepté sur mes godasses, que j'ai juste un breaking 1. C'est juste histoire d'avoir une protection voilà, en métal, c'est tout. Hein. J'ai pris des premières armures en fait qu'on a dû fêler, qui étaient en stock. Alors, je n'ai pas refabriqué d'autres. Faut juste qu'on descend en fait. Comme alors, tu vois, là il y a un azalée. Attends, un trou. Ah bah oui, c'est pas toi. C'est Rick qui avait fouillé, je crois. Je lui avais dit sa manière de creuser. Oula, t'es tombé de où là? Non, t'inquiète. Si là, je me suis un petit peu. Ah bah il s'est arrêté. Ouais, il s'est arrêté parce qu'il a dit on trouve rien. Ouais, je pense pas. Je pense. Ah j'ai entendu une sorcière.
Alors, pour l'instant, j'essaie de faire un petit chemin histoire qu'on puisse remonter assez facilement. Ouais. Ceci, parce que sinon on est dans la merde. Et là, il faudrait descendre. Et qu'on trouve de la flotte. Au passage, je vous ai. Ah oh, oui, là, j'entends une sorcière très très proche en plus. Ah, attends. Torche à droite quand même. Ah! Oh! Voilà. Ah voilà. Oh putain, j'aime pas ces putains de sorcières. Là, il y a un biome, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. Voilà, elle va te prendre une potion derrière toi. Mais non, derrière toi, je vais taper. Vas-y, tape la sorcière. Tape la sorcière, je m'occupe de lui. Voilà, c'est bon, il est mort. Tiens, il m'a donné en plus un buste en or, tiens. Bon, moi, je suis usé, mais. Alors, pendant ce temps, je vais mettre un peu de torche. C'est juste pour éviter que ça pop, hein, les viewers. Torche à droite, on rappelle, hein. Et là, on a un biome, je sais pas quoi, un biome qu'on a déjà fait. Alors, moi, j'ai pas de. Pour info, j'ai pas de. Alors, attends. Déjà, je vois Alors, qu'il y a du. On n'est pas du tout là pour ça, hein, mais je vois qu'il y c'est a du la charbon. Lush Caves. C'est ce genre de biome qui peuvent abriter les axolotls. La Lush Cave. Alors, ça m'intéresse beaucoup, mais pas pour de bonnes raisons. Oh putain. J'avais entendu un je savais pas ce que c'était, et ben ça fait mal, hein. Y a un peu de charbon, je prends du charbon, on a besoin de charbon, rien à voir, donc là Vas-y. je ferme un peu. C'est histoire de. Voilà, il y avait 5 Il y cylindres a un là. Enderman, hein. Ouais, alors l'Enderman, faut pas le regarder, parce que l'Enderman, putain, ça fait Oh, taper. il y a un axolotl. C'est vrai? Juste! Putain. Oui, là. Donc c'est. Alors c'était pas dans cette grotte-là forcément que t'avais vu, toi. Attends, je termine juste Bah en mon fait je charbon. cherchais ce type de biome là et on est tombé dessus, mais regardez, il y en a un Ouais, là. c'est bon. Alors attends, là on a quoi? Nickel, un blanc! Alors. Ouais, un blanc Il y a une rosé. histoire de rareté. Attends, je tape d'abord les zombies puisque j'ai toujours pas Je le compris. prends pour pas qu'on le Ouais, perde. déjà, ouais, déjà, pour commencer, ouais. Et alors, ce qu'il faudrait par contre, c'est qu'on puisse les reproduire. Alors, comme je vois que derrière, tu vois, ça. Oh putain, tu m'as fait peur, c'est toi là. En forme. Ok. Alors, c'est super joli, hein, vous avez vu les yeux, on retourne dans ce biome là. Je sais pas si c'est dans ce biome là justement que ça pop ou pas. Beaucoup parce qu'il y a de la clé, Ah, et en c'est plus, il y un a plein de clés là. rapport, et il y a de la flotte, donc Ok. Donc c'est exactement ce qu'il y a. Tiens, pour moi il y a du c'est métal son aussi. biome à lui. Alors, j'essaie les vieux, on fait rien du tout, mais. Enfin, on fait rien du tout. On fait rien du tout de ce qui était prévu. Je peux vous assurer que j'en ai beaucoup utilisé, moi, parce que j'ai essayé de faire des CD d'ailleurs en vidéo. Du coup, je vous avoue que Non j'ai mais consommé prends du du métal, charbon. faut toujours du métal. Voilà, du métal, c'est ça. C'est un truc qu'il faut jamais rater. Donc là, Ouais, je vois qu'il y a du métal, c'est pour ça que je me permets. je crois que ça s'est fini le biome. Ça se Oh, finit? Donc chiant. il y avait. Bah, il faut fouiller dans le. Faudrait partir de l'autre côté en fait. Non, mais. Et dans l'autre biome derrière, là, t'es sûr qu'il n'y en a pas un deuxième? Parce que s'il y en avait un, il y en a peut-être deux, hein. Si, doit y en avoir, mais en fait on est parti sur une extrémité en fait. Alors, attends, moi je suis derrière toi, mais par contre là, attends. Ouais, demi-tour. Déjà, torche à droite, déjà pour commencer, parce qu'il faut qu'on éclaire. Ah, Genre, avec du métal. je veux pas qu'on ait de fail, hein. Ça pue le fail après. Donc là, j'éclaire là jusqu'au bout. Oh putain, même si ça en finit pas en fait. Ouais, c'est bon, si on finit, c'est bon. Nickel, je suis au bout. Je suis au bout. Alors, pour la clé, on pourrait avoir des choses aussi à faire avec la clé, hein. La On va le faire. clé, bah le truc c'est à part faire des briques, Ouais, je sais, je sais, je c'est sais, un je peu sais. dommage, faudrait que ça diversifie un petit peu. Attends, il y a un autre chemin, l'autre tunnel je prends aussi, hein. Au moins pour éclairer, j'en ai du charbon. Ouais, vas-y. Bon, ça nous fera une petite mine, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça les vieux. Hein. Ouais, ici il n'y a rien, là. Attends, je les fuis jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, hein, parce que, on va dire que je vais pas jusqu'au bout. Ouais, c'est bon, il n'y a rien, voilà. Je confirme, il n'y a rien. Il y avait juste un peu de charbon derrière moi, ouais, qui était en train de farmer, donc c'est nickel. C'est ça que je comptais chercher. Au passage, ça me donne aussi un petit peu d'XP, donc c'est pas malvenu. Ça ne me donne rien, c'est bien dommage. En revanche, ça, les fruits et les machins, ça je peux les récupérer, on ne sait jamais. Tapis d'herbe là et tout ça là, ça c'est pareil, on sait jamais que ce soit utile. Voilà, c'est histoire de, hein. Au final ça me sert à rien, mais bon c'est vraiment parce qu'on passe là en fait. Ah, je suis content qu'on ait trouvé. Ouais, Déjà, on en dès a l'entrée, un. en fait. Alors je dis ça comme ça, mais si on en a que un en fait, on est dans la merde, hein, parce qu'on peut pas les reproduire. Oui, Hein, bien sûr, il en nous en faut faut au plus, moins mais deux. un dès l'entrée. Oui, bah ça c'est. Bah moi aussi je suis un peu étonné, tu vois, pour le coup, parce que c'est pas ce que j'avais vu. Hein. Alors je suis pas allé ici, hein, mais. En même temps, Vas-y, si on c'est leur remonte. biome, ça tombe bien. Bon, je suis revenu en arrière, moi, pour info, parce qu'il Ouais, y a vas-y, pas d'autres je t'ai embranchements. dépassé en fait. Voilà. Ici, là, je ramasse quelques petits trucs, voilà, c'est parce qu'on est là. Je vais pas ramasser la clé, Ouais, les viewers, c'est pas intéressant. Les vieilles racines qui en haut, mais. je les ramasse pas non plus. C'est vrai que c'est super joli, par contre, hein, vous avez vu? Je kiffe ça, moi. Torche à droite, hein. Donc je les mets à gauche, c'est normal, c'est parce qu'on vient de la droite, hein, on vient de là-bas. Ok, là il y a rien, il y a un deuxième chemin là aussi. Hein. On va s'il y a quelque chose là-dedans. Ah! Attends, là il y a un deuxième truc là, les vaches. Ouais, bon, Y il y a rien, il y a rien, il y a rien. a rien. J'ai été éclairé, mais il y a rien du tout. Hein. Voilà. Ah oui, non, c'est moi qui avais mis la torche là à droite. Ouais, bah écoute, voilà. J'ai tout cassé, c'est bon, Bah nickel. écoute, je pense qu'on va. Ouh, bébé zombie. Et les embarras. Donc là-dedans, là. Faut des voir, hein, parce que. Alors, le temps, il y a d'autres métal déjà là.
Métal, je rappelle qu'on va pas cracher dessus. Hein. Je sais bien qu'on n'est pas du tout là pour ça, les viewers, mais. Non, après le. Oh putain! Tunnel d'eau, c'est pas ça. Ah, il y a de l'eau qui tombe sur la gueule, mais j'imagine que c'est dans cette partie-là. Bonjour! Ouais, c'est ça, je le disais bien. Non, après ça, on passe sur une grotte normale, puis un pas. Donc y a rien là-dedans? Putain, et par contre, si on a qu'un, fait chier quoi. Oh bah attends, on va aller du côté où c'est bien ouvert. Ouais. Si t'en vois un autre, par contre, je prends, j'y prends pour la miniature, Ouais, putain. t'inquiète, t'inquiète, Donc mais. alors, de l'autre côté, t'as mis? Ouais, là où je suis en train de me Ouais. battre. Ça va? Alors, je rééclaire parce que tu vas péter ma lampe, j'ai l'impression qu'il y avait une lampe. Donc là, c'est que de la clé, hein, les viewers. Alors, par contre, là, on vient de là-haut, hein, c'est ça? Donc, je vais mettre une torche à droite. Je suis attaqué d'où? Ah, là-haut. Merci. Il m'était tombé dessus. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Je me suis dit, tiens, on va profiter pour le tuer. Par contre, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord, oui, ah oui, ça continue un peu, quoi. Attends, par contre, Oui, j'essaie ça de prendre. continue. Fais juste gaffe aux Enderman qu'ils ont là. Je prends les azalées. Alors, torche à droite. Hein. Comme ça, on saura que si on voit torche à gauche, bah, c'est qu'on était trop loin. Dans la joie, il y a un truc aussi. Bah, il y a du fer là-dedans, mais. Il y a du fer, ça a remonté, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Le fer, vite fait. Par contre, j'ai dans la merde parce que ma pioche est presque finie. J'avais pas pensé à farmer autant de fer que ça. Et Non, le fer. mais si tu veux, j'en ai une en rab. Ouais, bah. Mon pierre! Ouais. Et j'ai une en fer. Ça c'est bon, donc la torche. Oh putain! Alors, ça va parce que Ça j'ai fait eu. boum. Ouais, j'ai quasiment plus de dégâts. J'ai sauté un peu, mais Putain. tu vois, j'ai dû perdre un cœur, c'est pas grave. Heureusement, j'ai une petite armure quand même, vite fait. J'ai eu le temps de reculer quand même quand j'ai entendu. Tiel? J'entends de Je l'eau suis couler au juste derrière passage. toi, en fait. J'entends de l'eau couler là, quelque part. Là, il y en a un là. Ouais, mais c'est une petite mare, il n'y aura pas d'oxalote là-dedans. Là. Derrière, il y a un autre biome là, je sais pas. Voilà. Il faut qu'il y ait zéro, hein. Zéro en lumière. Donc, quand je vois que c'est éclairé, tu vois qu'il y a du lierre à la con là. Alors, je vais quand même là-bas jusqu'au bout, hein, parce qu'on y est. Allons-y jusqu'au bout. Voilà. J'ai plus de torches au passage. Je n'ai absolument plus de torches T'en là-bas. veux, j'en ai 39. Par contre, bah ouais, y a un squelette par contre dans le coin là. Et j'ai ramassé par contre du charbon. Donc en fait, si t'as du bois en général. Pas du tout. Il y a du fer aussi en haut là, je l'ai pas vu. Il y a un bruit bizarre que j'ai même pas entendu. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'XP qui tombe. Il y a aucune flotte, y a rien. Putain, et y a aucune flotte, t'es vierge, on est dans la merde. Et ça part au pop là-bas, tout hasard. Je crois pas, tu peux aller checker. Attends, je crois qu'on a pris un. Il y a pas de... y a un peu de flotte là-bas, mais non. Bah faut que ce soit un lac en fait. Putain. Ah, ça pue le fail. Tiens, au passage j'ai encore du métal. Et puis j'ai plus. Ah tiens, il y a de l'eau derrière moi, mais à mon avis, ça semble une rivière. Il y a un bruit en tout cas d'écoulement. Faut que ce soit pas un écoulement, faut que ce soit un. Un courant. Ouais, un courant, ouais, ça, c'est un bruit de courant, c'est un bruit de flotte. Pas électrique, pardon. Oh là 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 là, putain, t'es en Ah forme, la toi, hein? blague, je suis grand Putain, il comique est aujourd'hui. chaud, hein? T'as ramassé son métal, en plus. Bon, et à 35 métal, comme j'ai ramassé avec mes conneries, hein? J'en ai C'est quoi, ça? 18, moi. J'ai ramassé des bottes en cuir, avec un. Plus qu'une durabilité. Ah, attends, là il y a un trou aussi, mais attends, le problème c'est que j'ai plus de torches. Je suis déjà venu ici, je suis déjà venu ici. Ok. On regarde pas l'Enderman. Ouais, fais gaffe, Enderman. Ouais, je regarde En pas. plus, ils sont tous les deux là en train de patrouiller. Donc, attends, il y en a un autre là, regarde là. Ils ont pas? Là, Ça? il y en a un là. Un blanc, un Oh, rose. C'est le même que le rose. tien. Ah, bah, Attends. attends, il y a un orange là. Attends, il y en a un autre à droite, ouais, effectivement. Attends, vas-y, t'as bouge pas parce que. Juste pour le fun. Voilà, pour les viewers. Il est mignon quand même. Alors, c'est un orange, ça, c'est un marron, ça. Ah, Ouais, par contre, marron, du coup, on en orange. a trois. Oui. Ah, ça, par contre, c'est le bon plan. T'as par contre, si tu pouvais venir juste venir là, ouais, sans trop me lécher le cul. Hein. Je En te fait, laisserai prendre parce que j'ai plus de sous moi donc. est-ce que t'aurais pas une. Ouais, ça, il est parti, de toute façon. Alors, Deux. il est parti, mais je vais le récupérer. C'est juste, en fait, pour le fun, hein, que je faisais ça. Où tient le rose qui est là? Il y a le rose. Le rose, on ne voit pas beaucoup, mais. Le rose, j'espère juste qu'il va pas se barrer, surtout.
Alors il faut un sous-dos, c'est ça, c'est pas un sous normal. Hein. Ouais, sous-dos, bah tu cliques droit dans la flotte et tu récupères. Hein. Oh, Ouais. il y a des petits poissons! Voilà. T'aurais des torches par contre supplémentaires? Oui, bien sûr. On va essayer de les. On va essayer de les éclairer quand même un peu mieux là. Tiens. T'as pas, ils sont partis où? Putain, ils sont partis où? Juste Ouais, là. Oh, pardon. Attends, je t'arrête. Hop. ouais, merci. Non, c'est pas ça qui non, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est pas. Et quand je dis ils sont partis où, c'est ils sont où les. Oui, les Les torches. Ah, les guignols. Ah, ok. Putain, ils sont là, il y en a un là. Juste là, juste là. Attends, attends, je vais lire lui. Je vais lire lui. Ah, parce que je chope. Vert. Putain, oh, le rose. Oh, le rose est magnifique. Oh, ils sont magnifiques. J'adore les petits poissons comme ça. C'est les petits rectangulaires. J'ai l'impression que c'est des bâtonnets de poissons. Des Findus. Alors, Ouais. je les ai bien observés pour vous, les viewers. Hein, c'était juste pour le fun, encore une fois. C'est pareil, c'est pour. Au moins que vous les voyez bien, parce qu'en fait chez nous il n'y aura pas de profondeur comme ça, il y aura pas de piscine. Hein. Non, ce sera Je vous le dis. Hein. Donc un voilà, au moins pédiluve. vous les. C'est exactement ça. C'est un peu du livre. Donc ils sont mignons, mais ils sont un petit peu bretons. Ceux qui connaissent la blague. Enfin la blague, la réplique. Voilà. Bref, allez, je les ai assez observés. Allez, on va les ramasser Récupère. maintenant. Avant qu'ils crèvent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut les choper adultes. Alors que les grenouilles, par exemple, c'est que quand c'est des têtards. Donc Ouais. maintenant que j'ai, ça y est, j'en ai un sur les deux. Et l'autre qui danse Il est autour, derrière derrière, toi. il est là-bas. Tac. Ah, c'est Bon, bien sur oh, les hey. ailes. Alors déjà, on en a trois. C'est bien. Après, je n'ai pas. Attends, je reviens derrière, mais je crois pas qu'on. Ah bah attends, si on peut en choper 4 ou 5, parce que maintenant on peut les reproduire, c'est le principal. Ouais, prendre On peut se dans les permettre cachettes. d'un se reproduire comment d'ailleurs, tu sais ou pas? C'est un truc tout con, je sais plus. Ça se reproduit. Oui. Voilà, parfait. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait un petit élevage, après on pourra les utiliser pour aller faire un temple sous-marin, les viewers, qui est juste à côté de chez nous, je rappelle. Parce qu'apparemment, ça tue les guardians. Et ça nous arrange beaucoup, parce que les guardians, bah, ils nous emmerdent. Et les guardians, ils nous ralentissent. Après, on est dans l'eau, du coup, ils peuvent nous tirer dessus, et du coup, on peut mourir très vite. Donc, peut-être qu'on fera le Ah. donjon ou pas, c'est encore une Ok, surprise. ça se nourrit avec des poissons tropicaux dans des seaux d'eau. Donc, c'est pas simple. Bon, faut juste passer dans la jungle, quoi. Ah, c'est par là qu'on est arrivé, hein. Si, oui, hein. Bah ça peut pas être par là, parce que. Non? Si, en Par plus, là? on a oublié de faire la marche. Tout Ok, était là. ok. Superbe. Bon, ça c'est fait. Objectif premier, Bon, choper bah, des merci axolotes. Rick, hein, toujours là. Ouais, bah Rick, c'était pas ça. Il En a soi. quasi tout crevé. C'est ça, il est pas forcément prévu. C'est quoi cette terre là? C'est pas de la vraie terre, si? Il y a les terres enracinées. Ouais, c'est ça. Attends, il va falloir peut-être. Hop. Parce que moi j'ai préparé un petit peu le chemin en descendant tout à l'heure, mais c'était pas suffisant. Bref. Attends. Tu peux te décaler? Ah, attends. C'est pas grave, c'est pas grave, j'aurais dû prendre Oups! les deux. C'est bon, regarde. C'est Voilà. Voilà. T'as bon. Voilà. Bon. Je sais pas s'il fait jour ou qu'il fait nuit, j'imagine qu'il faisait jour et qu'il s'est Il fait écoulé à peu près jour. après un quart d'heure. Donc, à mon avis, il va faire jour, mais pas pendant très longtemps. Hein. Ou alors, il vient de faire jour. Non, Ouais, il c'est vient ça. de faire jour. T'as regardé, il y a un connard là. Raté. Il y a un os, on sait jamais. Ok, on va Donc, revenir sur faudra ça, les juste viewers. qu'on. Oh, attends. Je veux aller tuer le Michel au trident. Il y en avait un là? Ouais, parce que, alors, si on peut Ouais. choper un trident aussi, ça pourrait nous arranger, les viewers, Enfin, mais. moi, je veux des tridents. Mais les tridents, on en a aucun pour le moment. Non. Il faudrait une looting. Ah. Mais je le vois en train de défoncer. Hein. Tu veux que j'aille le latter? Oh C'est quoi, putain! les morts? Non, c'est un fou, c'est un fou. Tiens, oh, je pensais que c'était Non. son trident. Tu venais de loot. Non. Non. Bon, tant pis. Faudrait qu'on essaie d'en chercher plus aussi. Après, souvent, quand il y a des ruines à côté comme ça pop bien. Mais il Bah oui, faut je de me la doute. fortune pour espérer en avoir. Parce que. Je me doute. Bon, et eh ben écoute, c'est nickel. Attends, j'arrive juste. Hein. On va poser ça donc encore une fois chez nous. Je sais pas si on va le faire en vidéo parce qu'on n'en est pas rendu. Par contre, ce qu'on va faire, alors pour les chèvres, ça va être plus compliqué, les chèvres. Parce qu'elles sont quand même assez loin.
Donc là, il y aura peut-être un passage dans le Nether. Ce qu'on va faire, on va peut-être se faire une ellipse, les viewers. On va aller directement à l'endroit par le monde normal. Ensuite, on va emmener de quoi avoir de l'obsidienne. Enfin, on va amener de quoi faire un portail, pardon. Donc avec 8 obsidiennes, 9... 10 obsidiennes, excusez-moi, c'est le minimum. 10 obsidiennes, on va repop dans le Nether avec. On va faire en fait comme pour les vaches champies. Pour ceux qui ont suivi l'épisode des vaches champies. Allez jeter un oeil, parce qu'en gros, ça va être la même chose. La différence, c'est que là, les vaches champies, elles sont gentilles. Les chèvres, elles sont pas gentilles. Enfin, elles ont envie de nous taper, en fait. Elles ont envie de nous encorner. Mais ça se dit comme ça dépend, j'ai jamais réussi à me faire pousser dans le vide. Ouais, mais elles aiment bien pousser, apparemment, dans le vide. Ouais, mais j'ai essayé plus possible, limite... Je sais pas, me foutre vraiment sur un pic ou je sais pas quoi, ça va marcher. J'ai juste qu'à sauter très haut, mais c'est tout. Ouais, bah j'espère juste qu'il y a un point de trop nous faire chier. Bref, alors, toujours est-il que... Attends, il fait jour ou il fait nuit, là? Il va faire nuit, là? Non. Non, il vient de faire jour, là, on est d'accord, hein. Oui, c'est le... On est même pas à midi. D'accord, ok. Non, c'est un quart d'heure de jour, un quart d'heure de nuit en fait, mais vu qu'on a démarré la vidéo, il s'est écoulé quoi? Il s'est écoulé 3-4 minutes en fait de jour. Si je me trompe pas, c'est un quart d'heure de jour et 10 minutes de nuit. Genre la nuit légèrement. Ah ouais. Ok, bon, alors les poissons, on laisse tomber hein, pour le moment. Voilà, ce qui compte, c'est que moi j'ai la pensée. Ouais, les poissons, on y recherchait pour les noix. J'espère par contre que c'est pas deux roses que j'ai chopé, parce que là, mon sou me dit qu'il y a deux roses. Hein. Oui, c'est des roses, mais non, c'est ceux que t'as chopé. C'est comme les poissons tropicaux en fait. Le poisson que t'as chopé, c'est le poisson en question. Ouais, c'est juste visuellement en fait. Il te dit que c'est un saut, mais. Voilà. Bon, forcément, les viewers, ce qu'on va faire hors vidéo, on va créer vite fait un petit bassin pour les mettre là, comme s'il faut qu'on les reproduise assez rapidement quand même. Mm. On va créer un petit bassin, on va vous montrer vite fait. Non, on va même pas vous montrer d'ailleurs, parce qu'au final, c'est un bassin. Non, parce que c'est une petite pas toujours. Ça va être le même que pour les tortues, hein, je vous montre vite fait. Hein. D'ailleurs, on peut le faire vite fait aussi, mais. Bon, forcément, qu'on va y passer 10 ans. Donc ça va être à l'étage suivant, parce que alors, cet étage là on va vous en parler après parce que j'ai refait un petit peu des choses. Et ce qu'on va faire, on a dit qu'on allait les mettre ici à côté des grenouilles, ce qui paraît totalement cohérent. Donc du coup j'ai fait qu'un bassin, puis on laisse quand même deux blocs pour d'eau, enfin de pelouse ou quoi là. Ouais, oui, un peu de terre comme ça, le moment marche après, hein. Faut juste un peu d'eau pour pas qu'il meure. On les met en clé peut-être, ils aiment bien la clé, non, c'est pas ça? Non. On peut mettre de la clé, pour faire naturel. Voilà. Parce que les autres, tu vois, par exemple, je vois les grenouilles, elles ont le droit à du. Ouais, de la mud. Ouais, de la boue, ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, si on veut, voilà. Donc, je tourne, on va laisser les petits rebords. Alors, s'ils montent sur les petits rebords, ils vont crever par contre. Oh. Ouais, après, je pense pas qu'ils vont se coincer comme les poulpes. Les poulpes, c'est idiot, ça arrive à s'accrocher à tout. Les poulpes, c'est idiot, exact. Mm. Donc on fait ça vite. Désolé pour ceux qui aiment les poulpes, mais dans le jeu, ils sont idiots. Hein. Faut pas dire. C'est vrai. Ils sont moches, en plus. Tu regardes ton poulpe, il s'accroche lui-même dans le sol pour qu'on vous bute. Ouais, donc là, il faut absolument choper deux sources d'eau. L'idée, c'est d'avoir une source d'infini, hein, les vieux. Donc, tu veux changer le sol aussi qui est en dessous ou pas? Du coup. Wow. C'est plus joli, pas. Hein. Je sais pas, bah, en fait comme tu veux, si tu veux mettre une clé en dessous. De la clé, on a combien de blocs de clé? J'en ai deux sur moi. Et il y en a combien au total? Je sais pas du tout. Parce que sinon, tu vois, on pourrait les mettre... alors, le problème, c'est que ça nous en fait faire 6 fois 4, 24. Tu voudrais les mettre partout au sol, là où on garde du sol? Alors, partout au sol, là, on garde du sol, et au fond de l'eau, aussi. C'est pour ça que je te pose la question, combien t'as le bloc de clé? On les range où? Alors, les blocs de clés, je crois que c'est... Il y a un côté où il y a des blocs de clés, en fait. Je sais que je les ai mis moi-même. On en a un stacké et deux. Des blocs ou des... On peut en avoir plus de blocs. Blocs? Bah donc ouais. C'est bon. J'arrive. Bon, ok. Alors, j'ai cassé ces blocs-là, les viewers. On va mettre de la clé ici. Donc, 4 d'eau et 2 de sol, on va faire. Voilà. Oui, entre guillemets, ce que tu laisses là, je mets de la clé. Là où j'ai laissé, voilà, là où t'es partout, là, c'est voilà, que la clé, c'est deux lignes. Et là, maintenant, tu remplaces là, ce que j'ai mis la cobble, tu vois. Comme ça, on mettra l'eau ici, voilà. Voilà, j'ai déjà mis le bloc d'eau, comme ça, c'est fait, tu vois. Comme ça, on va faire avec les viewers, comme ça, ils diront pas qu'on a fait des choses secrètes hors vidéo. On fait ça comme ça. Après, dis-toi que ton seau avec l'axolote, il y a de l'eau dedans. Ah, c'est bon, là? C'est bon, nickel. Ok, on les pousse dedans? Oui, tu peux les pousser dedans. Voilà. Et voilà. Voilà, ils ont 4 blocs. Ça devrait suffire. Oui, bah, ils font des drifts dans l'eau, tout va bien. Alors, t'as comment on les nourrit par contre, on avait dit? Poisson tropical dans un seau.
Ouais, mais ça, on les a pas. Alors, c'est quoi? On va les garder avec nous, cette étoile. Tu vois, on va ranger le stuff, parce que là, moi, j'ai plein de trucs dans mon stuff, il n'y a pas du tout. On va faire une ellipse, les vieux. On va ranger notre stuff, on va partir près des chèvres, on va vous reprendre au niveau des chèvres, et on les ramènera ensemble. Voilà ce qu'on va faire. Ça va être super sympa comme ça. Et du coup, bah, on se dit à bientôt. Ou alors, TVH, mieux que ça, on refait une vidéo avec les chèvres. Parce que sinon, je pense qu'on va mettre une demi-heure avec les chèvres, et vu le temps qu'on a déjà passé ici, je pense que ça va être la merde. Les chèvres, ça va prendre plus de temps que prévu. Hein. Voilà. Donc, on va se laisser ici les viewers, carrément, sinon on n'est pas rendu. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.